Wir freuen uns hier heute Abend anlässlich des Neujahrsempfangs des Deutsch-Französischen Jugendwerks so viele Freunde, Partner und Anhänger des Deutsch-Französischen Jugendwerks zu treffen. Le but de la soirée, permettre à notre institution de souhaiter la bonne année à tous nos relais, à tous nos soutiens, à tous nos partenaires et à des dizaines, voire des centaines d'anciens bénéficiaires des programmes de l'OFAGE. Wir haben natürlich den Neujahrsempfang genutzt, um eine neue Initiative des Deutsch-Französischen Jugendwerks vorzustellen, Praxis. Praxis wird in Zukunft jungen Menschen, die nicht mehr in der Schule sind, die nicht mehr im Studium sind, aber auch vielleicht noch keine Arbeit haben, ermöglichen, eine gewisse Zeit in Frankreich oder in Deutschland zu arbeiten. Ce nouveau programme en fait fixe un cadre juridique solide, fiable et crédible qui permet à des entreprises, à des employeurs de recevoir des jeunes hors cursus avec une convention de stage qui est émise par l'OFAGE. Les jeunes de l'école que j'ai en formation donc ont préparé ces chocolats sur la demande de l'OFAGE. Donc chaque chocolat à l'effigie de l'OFAGE. Quand on arrive sur du professionnel, il est vrai que le geste gomme, on va dire, tout ce problème de langage et ils arrivent vraiment à pratiquer ensemble. Et ça, c'est un grand bonheur. Ça pourrait être un plus dans ma carrière car je souhaite m'installer en Alsace et donc toucher une clientèle, si possible, allemande. Et donc savoir comment ils procèdent, ce qu'ils mangent, comment ils voient les choses, ça peut être très intéressant pour leur proposer des produits qu'ils vont consommer. Wir, die wir alle den Prozess der Versöhnung und der Annäherung der Völker erlebt haben, wir haben die Aufgabe, und das macht das OFAGE für uns, diese, wie man so schön sagt, Flamme der Begeisterung an die junge Generation weiterzugeben. L'OFAGE a aujourd'hui 50 ans. Il a des programmes qui continuent à se développer. Nos deux pays ont décidé d'augmenter les moyens de l'OFAGE pour pouvoir conduire de nouveaux projets, pour que le socle franco-allemand de la jeunesse permette aussi de s'ouvrir à des pays tiers, permettre de s'ouvrir aux Balkans, à la Méditerranée, à des jeunes du Maghreb qui, eux aussi, je veux dire, doivent pouvoir bénéficier de la force de cette dimension interculturelle des échanges entre la jeunesse de nos pays.